Avec le temps, va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Moi, je trouve que Léo Ferré, pour un spectacle comique, c'est bien, ça met une bonne pêche. C'est... Si j'avais hésité entre ça et Daniel Guichard. Mais Daniel Guichard, c'est moins spectacle, c'est plus mariage, donc... Ah si, si. Attendez, c'est le plus beau jour de ta vie. Tu viens d'épouser la femme de tes rêves. Ce soir, t'as décidé de te lâcher. Tu vas sur la piste de danse avec ta nouvelle femme, et à ce moment-là... Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Oui, la frontière entre une belle fête et un suicide collectif est très fine, hein, c'est... Mais c'est beau. Personnellement, j'adore Daniel Guichard. Surtout quand j'ai pas le moral. Ah si, quand j'ai pas le moral, j'écoute Daniel Guichard, je m'aperçois qu'il a plus de problèmes que moi, et hop, ça va mieux. Non mais c'est vrai, j'adore ce genre de chansons. Hein. Et puis, de toute façon, tu n'as pas le choix. T'as soit des belles chansons tristes, ou des chansons joyeuses qui nous prennent pour des cons. Y'a rien qui vous choque. Un lapin avec un fusil. Comment il le tient? Mais vous avez déjà vu la taille des pattes de lapin? C'est comme ça. Va attraper le fusil. À la limite, si les paroles c'était « C'était un lapin qui avait des copains, qui avait un fusil. » Mais là, quand même... Non, la vérité, c'est que le chasseur en question a dû être buté par des chasseurs bourrés. Et que pour éviter le scandale, on a préféré accuser les lapins, c'est tout. Parce que le lobby des chasseurs est plus puissant que le lobby des lapins. Je sais que je risque gros en disant ça, mais j'ai pas peur, moi. Attention, je dis pas que tous les chasseurs sont des ivrognes. Surtout s'il y en a dans la salle. Non, je dis juste que parfois, des chasseurs boivent pour oublier qu'ils sont rentrés bredouilles. Le problème, ce sont les chasseurs pessimistes. Le matin, ils savent qu'ils vont rentrer bredouilles, donc ils boivent avant de partir. Je me suis longtemps demandé pourquoi on avait gobé l'histoire du lapin armé. Et finalement, j'ai compris. En fait, on a testé sur nous des lavages de cerveaux musicaux. L'idée, c'était de nous chanter n'importe quoi pour voir jusqu'où le cerveau humain pouvait se ramollir. Non, mais j'invente rien. Arrêtons-nous un instant sur quelques grandes chansons françaises. Un exemple, Annie Cordy, Chaud Cacao. Au fond de la plage, il y a les coquillages. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Des caïmans, maman. Des serpents, moins sympa à la plage, hein, mais pourquoi pas? Du soir au matin, dans tous les refrains, les grands bois, les pandas, les babouins, les pingouins chantent tous ce refrain. Stop! Sur la plage, des babouins avec des pingouins. On se fout de notre gueule. Babouin, ça rime avec pingouin, mais à part ça, il n'y a aucune raison qu'ils se rencontrent. Sauf si pour faire du pognon, il faut la marche de l'empereur à la plage, mais sinon c'est impossible. Un autre exemple, Alexandrie, Alexandra. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Bon, ça, je peux pas juger, je sais pas ce que ça bouffe à barracuda, hein, mais bon. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Sans commentaire. Je crois qu'il se vante. Le mieux dans ces cas-là, c'est de ne pas faire attention. Il y a aussi des chansons, tu sais pas s'ils nous prennent pour des cons, ou si c'est juste les auteurs qui ont galéré pour faire des rimes. Un exemple précis, Vanessa Paradis, Manolété. C'est chaud comme une crêpe au chorizo.
Je sais pas quoi dire, là. On nous chante n'importe quoi, les gens sont perdus, donc ils acceptent tout. Même l'inacceptable. Comme Ottawa. Joyeux. Vous avez écouté les paroles ? Je t'ai vu, je t'ai suivi, observé, analysé. C'est un comportement de serial killer. Je suis pas paranoïaque, le mec, quand il aborde, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il a menace d'une arme pour lui prendre un organe quand même. Encore plus intolérable, début de soirée, nuit de folie. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Moi je dis que c'est pas l'amour, c'est des violences conjugales ça. Et on l'a tous chanté, parce qu'ils ont réussi, notre cerveau est tout mou, notre crâne est tout vide. S'ils nous ont laissé des trous de nez, c'est juste pour se servir de notre tête comme d'un ocarina, c'est tout, voilà. Voilà, je fais partie d'une génération de débiles. Les gens nés dans les années 70, abrutis par des lavages de cerveaux musicaux. Heureusement, avec la nouvelle génération de chanteurs, c'est fini tout ça. Si ? Si ? Ouais, si. Aujourd'hui, on ne prend plus les jeunes pour des cons. On leur offre des chansons responsables et engagées politiquement. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un beau signe d'espoir. Moi, j'ai besoin d'amour. Applaudissements pour Jean-Luc Lemoine.